les responsables de Radio Légende FM n'ont ni appliqué cette ordonnance, ni considéré cette ordonnance comme étant un acte de justice. Cette décision laisse perplexe le conseil d'avocats de la radio Légende FM, qui trouve que cette radio a été doublement punie par cette décision. J'ai été perplexe, ahuri et puis pantois devant la décision. La radio Légende, depuis le 26 juillet 2013, avait reçu une signification d'une décision venant de la HAC, lui interdisant de poursuivre ses activités pendant un mois. Donc la radio a été suspendue pour un mois et normalement on doit attendre ces un mois avant de prendre une quelconque décision contre cette radio. Pour la HAC, la ligne rouge a été franchie avec l'incident du 26 juillet, jour du scrutin. Pire, c'est justement dans le souci de continuer aussi bien narguer la haute autorité qu'à narguer même les actes de justice que Radio Légende FM a cru bon de voir le 24 juillet dernier et le 25 juillet dernier porter en torse également les dispositions que nous avons prévues pour encadrer les émissions des législatives. Un mois de suspension pour la décision du 23 août 2013 qui met définitivement fin à la diffusion des programmes de Légende FM. Le Conseil des avocats se fustige l'attitude des forces de l'ordre pense qu'une conciliation peut être menée pour une sortie de crise. Nous sommes dans une situation à plusieurs équations et il faut arriver à régler le problème que rencontre aujourd'hui la radio Légende. Nous avons estimé que tous les recours que nous avons eu à faire dans ce pays contre ces genres de décisions, contre les décisions de la HAC, ont été toujours voués à l'échec. Le directeur de la radio Légende, M. Frédéric Johnson, est en pourparler avec qui de droit afin de voir dans quelle mesure cette radio peut reprendre ses émissions. Le dernier mot revient à la Chambre administrative de la Cour suprême. La HAC est-elle prédatrice des libertés de presse ou la radio Légende FM est-elle victime de sa propre turpitude? Pour l'heure, les employés de cette radio sont au chômage. Dans quelques semaines, la rentrée scolaire 2013-2014, mais bien avant cette rentrée, certains élèves s'occupent avec les cours de vacances, une initiation au programme de l'année scolaire. Eh bien, comment se passent ces cours? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Suivez plutôt. S'amuser, se distraire et se reposer, c'est le but des vacances, mais pour permettre aux élèves de ne pas rencontrer des difficultés à la rentrée, les directeurs des écoles privées comme publiques organisent des cours de vacances. Nous nous sommes rendus à l'école privée laïque Le Tremplin, située dans le quartier Forever, où le corps professoral a organisé ses cours selon un programme adapté afin de permettre aux enfants d'étudier et de jouer en même temps. L'élève a assimilé les cours de différentes façons. Ça dépend si l'élève, est-ce qu'il était bien portant, il y avait l'atmosphère, tout ça. Ça fait que les cours ne peuvent pas être bien assimilés. Alors que pendant les cours de vacances, bon, compte tenu de l'organisation qu'on a mise en place, et l'élève peut intégrer ce qu'il a appris et bien revivre, enfin revivre d'une certaine façon l'année passée. Donc c'est pourquoi nous pensons que les cours de vacances sont des moments privilégiés pour les enfants. Il y a des moments où l'enfant s'amuse, fait les jeux, et à partir de ces jeux, il peut acquérir des choses importantes. Donc notre objectif pendant ces cours de vacances, c'est apporter beaucoup plus à l'enfant en s'amusant. Ces cours, une distraction positive, sont une nécessité pour permettre aux enfants de prendre connaissance des leçons de l'année à venir et de comprendre par la même occasion les cours de l'année passée. Toutefois, les metteurs en scène de cette distraction rencontrent des difficultés. Quand des difficultés, c'est quoi? C'est que, comme je viens de le dire, quand ils viennent comme ça, ils n'ont rien dans la tête. Donc, ils vont prendre le temps de les moduler, de les façonner avant de partir.
C'est la seule difficulté. Pour les enfants eux-mêmes, c'est une manière de préparer l'année à venir. Ils se disent très contents de leur présence sur les bancs en période de vacances. Je suis contente d'être au cours de vacances pendant que les autres jouent à la maison. Est-ce que tu apprends beaucoup de choses? Oui, j'apprends beaucoup de choses. Je suis contente d'être là. J'apprends beaucoup de choses. Le maître nous a appris plein de choses. Moment d'assimilation avant la rentrée scolaire. Les cours de vacances sont organisés sur des programmes bien spécifiques. C'est le constat fait à l'école Tremplin où des scènes de films éducatifs sont organisées pendant les cours pour permettre aux élèves d'avoir l'esprit vif. Toutefois, ces cours n'ont pas d'impact direct sur les résultats de fin d'année, dans la mesure où beaucoup d'événements peuvent agir sur l'esprit de l'élève au cours d'une année. En Bavé, le peuple gain et d'Amour célèbre ce jeudi la 350e édition de la fête EPEP, une fête toujours marquée par la traditionnelle cérémonie de prise de pierres sacrées. Cette année, la pierre est de couleur blanche. Elle est porteuse d'un message de compassion aux femmes victimes des incendies des grands marchés et recommande un bon usage de l'eau et de la flamme pour prévenir les dangers de celle-ci. Nous reviendrons sur le déroulement de la cérémonie dites dans nos prochaines éditions. La prise de la pierre sacrée, la fête traditionnelle des gains, réunit chaque année les natifs du milieu à Guidi-Podi. Pour sa 350e édition, cette fête partira comme d'habitude de la forêt sacrée et aboutira à la sortie de la pierre qui sera exposée à la population. Elle annonce le début d'une nouvelle année et demeure le symbole des rites traditionnels en pays gain. Apollina Baki. Anéro, ville côtière située à environ 45 km de la capitale Lomé, célèbre chaque année, entre fin août et début septembre, la fête traditionnelle EPEP ou la prise de la pierre sacrée. C'est la localité Kudji qui accueille les festivités et tout part de cette forêt sacrée. Je vais pas t'avoir de pérennité. Pérennité, 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 pérennité. Ce lieu appartient à toute la communauté gain. Tout le monde y vient pour recevoir la bénédiction. C'est comme la Mecque pour les musulmans. Toute la communauté gain converge vers ce lieu sacré pour recevoir la grâce. Elle a tout ce qu'elle demande pour la nouvelle année. Ici, il n'y a que quelques divinités qui sont visibles. Ata Sakumu, Ata, Pesu, Maman Kole, etc. Les autres sont dans la forêt. Cette démonstration débute d'une nouvelle année sur les gains et peut être trouvée ses origines au Ghana. Une succession d'événements entre les différents clans de la communauté a conduit les petits-fils de chefs de gains à l'époque à prendre la route de l'Est. Nous sommes vaincus à Accra. Et on a demandé aux deux premiers princes de s'en aller avec les attributs royaux. Ce que nous avions fait partie de ces attributs, dont la pierre. Ils sont venus avec la pierre. Mais à l'époque, étant jeune, n'étant pas habitué aux cérémonies, c'est pourquoi les oncles venus sont retournés pour ramener les restes. La pierre était la chose la plus importante à mener. Une fois le refuge trouvé aux divinités et après l'installation des fugitifs, il est de leur devoir de se rendre chaque année sur la colline de Guidi-Podi pour la cérémonie de Ekososo. Un comité d'organisation est mis sur pied et qui a pour mission le calcul de dates retenues pour les cérémonies. Le 9e mois lunaire qui intervient, on se rassemble dans la forêt sacrée. Et toujours il y a Sakma, Mama Kole et Tombo Lapa. Ils prennent les décisions, ils font les calculs qui vont dégager le jour qui vont venir, qui seront décidés pour les autres cérémonies. Là, on décide en même temps le jour dans lequel nous allons prendre la prise de la pièce sacrée pour l'année
à suivre. Une fois sorti officiellement, la pierre sacrée marque le début de la nouvelle année et le message annonce les événements et la conduite à tenir durant toute l'année. Elle demeure le symbole des rites traditionnels en pays gay. À l'international, en République démocratique du Congo, les combats ont repris mercredi entre les forces du mouvement du M23 et les forces armées de la RDC soutenues par la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC MONUSCO. Un casque bleu a été tué et 5 autres blessés lors de cette opération de soutien. Au nord de Goma, une nouvelle fois résonnent les tirs de Kalachnikov. Ces soldats des forces armées de RDC tentent d'échapper aux balles du M23. Situation presque habituelle dans cette zone en instabilité quasi permanente. Les médecins annoncent de nombreux blessés parmi les civils et surtout parmi les soldats. Certains sont soignés dans des hôpitaux de fortune, d'autres ont été rapatriés à Goma. Certains ont des blessures très graves, tous sont presque stables, malgré qu'ils pourront garder l'hôpital pendant beaucoup de temps. À l'extérieur, le ministre de la Santé fait son apparition. L'État congolais se montre, lui qui a souvent été accusé d'abandonner la région. Le gouvernement de la République vous donne ses médicaments et tous ses enfants pour se permettre de prendre soin de tous les blessés de guerre. Dans les rues de Goma, l'impasse et le risque quotidien inquiètent. Ce n'est pas favorable au business. Quand il y a des combats, je suis incapable de continuer à travailler. Tout le monde est touché. Les gens fuient les environs, tout le monde a peur. Depuis mercredi, reprise des combats, un soldat de l'ONU en Tanzanie a été tué, au moins 3 autres blessés. La nouvelle force d'intervention onusienne se tient aux côtés de l'armée, mais sans pouvoir repousser fermement le M23, qui reste positionné. Ces actes sont ils sont inexcusables et nous devons les combattre. C'est pourquoi je donne l'ordre hier immédiatement au commandant de la force d'utiliser tous les moyens qui sont nécessaires pour défendre la situation de la population ici. Ces affrontements les plus violents depuis 2 mois sont le premier grand test pour la nouvelle brigade de l'ONU et ses 3000 hommes. Toujours dans l'actualité à Damas, les experts de l'ONU continuent leur enquête sur l'utilisation d'armes chimiques alors qu'une intervention militaire en Syrie semblait imminente. Le président américain Barack Obama indique qu'il n'a toujours pas encore pris de décision. Pendant ce temps, à Londres, on attendait le vote des parlementaires dans une ambiance tendue. Faut-il intervenir en Syrie pour punir le régime Assad après l'attaque chimique du 21 août, comme le martelait Washington au début de semaine? Après la montée de fièvre de ces derniers jours, beaucoup des interrogations et des doutes dans les capitales occidentales. Débat à Londres, la Chambre des communes, avant les jeux prévus dans la soirée. Les travaillistes ont d'ores et déjà prévu de voter non. Le Premier ministre conservateur a fort effort pour convaincre car une opposition existe également dans son propre camp. Il n'y a pas de certitude absolue sur qui est responsable, mais il faut se faire une opinion. Il n'y a pas de certitude absolue non plus sur quelle action sera réussir ou échouer. Mais laissez-moi vous dire, madame, nous pouvons, je crois, être persuadés que quand on a un régime qui a utilisé des armes chimiques à 14 reprises, il est vraisemblablement responsable de cette attaque et que si rien n'est fait, il conclura qu'il pourra recommencer encore et encore et dans l'impunité. Aux réserves de l'opinion, Londres a dû changer son fusil d'épaule et accepter de soumettre aux députés un second vote, une fois connues les conclusions des inspecteurs de l'ONU. Ce jeudi, ces derniers effectuent leur 3e tournée de prélèvement dans la partie orientale de la Rota, en banlieue de Damas. Attendre avant toute intervention, c'est également ce que préconise à présent Berlin, tout comme depuis longtemps Moscou. Tandis qu'à Paris, la diplomatie fait son retour dans le discours présidentiel. Tout doit être fait pour une solution politique. Mais elle ne viendra que si, justement, la coalition est capable d'apparaître comme une alternative avec la force nécessaire, notamment de son armée. La France réitère dans le même temps son aide et son soutien à l'opposition syrienne.
notons que cette guerre pèse négativement sur l'économie mondiale. Mercredi, les prix du pétrole ont flambé. Le prix du baril avoisine désormais les 110 dollars à New York. Les investisseurs craignent les répercussions d'une éventuelle intervention sur l'ensemble du Moyen-Orient. D'un côté, la probabilité croissante d'une intervention en Syrie. De l'autre, à des milliers de kilomètres de là, des prix à la pompe qui pourraient bien s'envoler. Partout sur la planète, les prix du pétrole sont à la hausse. À New York, le prix du baril a bondi jusqu'à 109 dollars en quelques jours, et sur les marchés, la tension monte. Aujourd'hui, selon les gens en peur, c'est d'une intervention en Syrie. Car cela aurait des répercussions sur l'approvisionnement en pétrole et en gaz dans toute la région. Pourtant, la Syrie produit seulement 0,2% du pétrole mondial, mais l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Irak voisins sont eux de très gros acteurs sur le marché. Et ce que beaucoup craignent aujourd'hui, c'est une extension du conflit syrien à ces pays. Il y a un risque de contamination des producteurs. Les prix, effectivement, vraiment rassemblés. Nous, nous sommes dans là aujourd'hui. Les prix peuvent être très bien tombés si l'opération civile ne peut se poser. Reste que l'euro fort face au dollar devrait permettre d'amortir cette hausse des cours. Aujourd'hui, nous sommes à 87 euros le baril, c'est le prix d'hier. Nous avons atteint ces niveaux en février. Et depuis, les prix sont ensuite redescendus. Si je prends le prix moyen sur l'année, nous sommes à 82 euros le baril, qui est un prix plus bas que ce qu'on a connu l'année dernière et l'année précédente, parce que les prix ont tendance à se stabiliser. Pour certains spécialistes, le vrai risque en matière d'approvisionnement de pétrole, c'est la Libye. Car loin des médias occidentaux, le pays est actuellement frappé par des grèves. Et sa production pétrolière a brusquement chuté. Quoi qu'il en soit, chez nous, dans les jours prochains, les prix à la pompe ne devraient pas augmenter de plus de quelques centimes. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur la chaîne du futur.